Ben moi, en fait, il y a deux choses qui m'intéressent. Déjà, il y a le look. C'est-à-dire que si, quand je pose mon driver au sol, j'aime pas comment il pose, ou alors j'aime pas la tête, c'est impossible. Donc c'est purement esthétique au début. Ouais, purement esthétique. C'est-à-dire, même si les performances, elles sont hors normes, si quand je le pose, je me sens pas à l'aise ou ça me plaît pas, c'est impossible que je le mette dans le sac. L'aspect esthétique, ouais, pour moi, elle est plus importante que sur les fers, parce que c'est un club, encore une fois, qu'on joue tout le temps. Et ensuite, il y a la partie sonorité. Certains y font attention, d'autres n'y prêtent pas attention. Il peut y avoir des drivers que je suis incapable de poser au sol ou incapable d'aligner correctement. Moi, un son aigu, ça m'a toujours beaucoup dérangé. Donc, j'aime bien les drivers qui ont des bruits assez discrets. Essayez au maximum d'aller voir des fitters, de toute manière, ou des centres spécialisés pour essayer un maximum de drivers. Et ne pas partir avec trop de principes en disant « je vais essayer tel driver, tel shaft, etc. » C'est une évidence que si jamais on te dit « le driver, il est absolument parfait pour toi, mais que tu n'aimes pas son look ou que tu n'aimes pas le bruit », et bah, tu vas pas bien le taper pour autant. Donc, c'est un petit mix parfait qu'il faut réussir à trouver. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut trouver en essayant, en testant, et justement, du coup, pour pouvoir trouver le meilleur des compromis. Entre en dessous de 90 de vitesse de swing, on sait qu'on est plutôt sur du régular. Entre 90 et 100, on est sur du stiff. Et au-dessus de 100, on est sur du extra stiff. L'ouverture, en fait, c'est vraiment... Il faut que ça soit adapté à la façon dont on swing. S'il y en a qui écrasent la balle ou d'autres qui la prennent en remontant, ben, c'est ça qui va déterminer en fait, l'ouverture du club. Moi, je suis assez neutre. Je suis autour de zéro. Donc, je peux prendre un loft assez neutre. Les personnes qui prennent énormément la balle en remontant, bon, peut-être que ça durera un peu moins de loft, parce qu'il y a déjà un launch angle qui est important. Après, ce qu'il y a, il ne faut pas trop rester bloqué. Le but du jeu, de trouver le bon driver avec un fitter, évidemment, c'est de trouver le bon angle des décollages, la bonne vitesse de swing et la bonne vitesse de balle, ainsi que la bonne hauteur, ce qui permettra de réduire le spin et d'augmenter, évidemment, la distance. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est taper 3-4 drives. Pas regarder les ouvertures ni le shaft, mais essayer de sentir s'il y en a un avec lequel on prend le plus souvent la balle dans le centre du driver, sans rien regarder. Essayer de sentir qu'il y en a un, voilà, celle-ci j'ai un peu prise dans le talon, celle-ci machin, ah, et celle-ci il y en a deux, trois de suite que j'ai senti vraiment dans le centre de la face du club. Et parfois c'est ça le mieux, c'est de même pas regarder les specs des drives, l'ouverture, les lofts, les machins, on regarde rien. On essaye juste de se dire, de regarder, tiens celui-là, voilà, je l'ai bien centré. Voilà, sur 5 bacs, j'en ai centré 4, alors qu'avec les autres, j'en centrais une ou deux. Pour moi, c'est ce que je privilégierais, je pense, en premier.